Regardez, dans les arbres là-bas des constructions. On y est. Ah, les jeunes, je vous jure. Mais ça a l'air abandonné. Merde, suffit. Suffit, je viens de me rappeler. Ils sont tous morts. La grande peste de 857, c'est écrit là sur la stèle. Je suis désolée, j'aurais dû m'en rappeler, il l'avait mentionné pour un tome de... Arrêtez. Arrêtez quoi? Arrêtez de tout référer à vos livres stupides. C'est peut-être faux pour vous, mais c'est ma réalité. Et ma réalité, c'est que je suis toute seule. Je suis désolée, vraiment, je voulais pas vous blesser. Je suis toute seule. Il n'y avait que la princesse Kiale pour embellir ma vie, et même elle, je ne l'ai plus, vous l'avez remplacée. Je ne sais même pas où elle est, ni comment la ramener. Je n'ai plus de raison d'exister. Sifi, vous n'avez pas à vivre pour Kiale. Vous avez votre propre existence et je suis sûre qu'il y a d'autres elfes ailleurs. Inutile d'essayer de me ménager. Je suis sincère. Je ne suis pas en train de vous ménager, je suis certaine qu'il en reste encore. Il a bien fallu que quelqu'un pose cette stèle, non? Et enterre les morts. Et ce sont sûrement pas les humains qui ont fait ça. Il y a encore de l'espoir. Vous en êtes sûr? Écoutez, je sais que je ne suis pas Kiale, mais faites-moi confiance, d'accord? Vous les retrouverez. Je vous le promets. Ici, des traces de pas! Merde, William a dû comprendre ce qu'on faisait! Vous pensez pouvoir courir? Pas longtemps. Partez devant, je vais les retenir. C'est hors de question. On doit fuir, venez. Alors montez sur mon dos. Nous allons passer par les arbres. D'accord. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Merde! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Le bord du roman. On peut plus fuir. Et ils sont toujours à notre trousse. Portel. Sautons. Pardon? Vous vouliez quitter le roman, non? Alors, sautons. Mais on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et si... Vous m'avez dit vous-même, Hélène. Vous n'avez pas confiance en William. Rien ne vous garantit d'arriver au bout de l'histoire sans encombre. Surtout maintenant que vous l'avez changé. C'est votre meilleure chance de regagner votre monde. Je sais pas. J'ai peur. De quoi? Mais J'ai peur du vide. Depuis que je suis petite, c'est à cause de mon père. Je peux pas sauter. Je peux pas. Alors accrochez-vous à moi. Je sauterai pour vous. Je resterai à vos côtés jusqu'au bout. Non, non, suffit-vous. Même si c'était une sortie pour moi... Rien ne garantit que... Je peux faire ça avec vous. Sifi, et les elfes, votre peuple, comment je peux tenir ma promesse si vous... Vous m'avez demandé de vous croire, de vous faire confiance même si je ne comprenais rien à tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai confiance en vous. Vous m'avez promis de m'aider à retrouver les miens. Et je sais que vous tiendrez votre promesse même depuis votre plan. Bien sûr que oui, je ferai plus. Alors à votre tour, faites-moi confiance. Je suis sûre que je ne risque rien. De toute façon... C'est ça ou la prison pour moi. D'accord. D'accord. Allons-y. À trois? À trois. Un. Deux. Trois. Oh. C'est mon bureau. C'est mon bureau. Mon fauteuil. Mon fauteuil. On a réussi. On a réussi. Sifi. Elle n'a pas pu vous suivre. William, qu'est-ce que vous faites là? Je me doutais bien que ce serait le premier lieu que choisirait votre esprit pour revenir. Et Sifi? Elle s'est réveillée dans sa forêt vers la fin du roman. Roman que je vais devoir réécrire par votre faute. Je n'ai fait que l'améliorer. Il ne vous manque plus qu'une bonne fin. Vous n'êtes pas en mesure d'ironiser, Hélène. Je peux vous renvoyer dans ce roman. Et j'en sortirai aussitôt. Ne me sous-estimez pas, je vous piégerai mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez exactement ce que je veux, Hélène. Votre livre sera publié, tel quel, sans correction. Vous voilà enfin raisonnable. Il faut croire que vous avez réussi. J'ai appris à...
apprécié votre univers. Voilà une nouvelle qui m'enchante, Hélène. Sérieusement, je signe où ? Attendez, je dois quitter le contrat. Ça va prendre au moins 2 jours. Je ne suis pas un bleu, Hélène. Je sais que vous avez des contrats types ici même. Oui. Voilà. Votre nom, le nom de votre roman, ici. Et vous signez en bas, comme d'habitude. Et William Baer. Voilà. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, Hélène. Un plaisir partagé, vous imaginez bien. Parfait. À demain pour la suite alors, Hélène. Je vous laisse le manuscrit original. Faites-en ce que vous voulez. Relisez-le peut-être. Bonne soirée. Oui, bonne soirée, William. Espèce de taré. Vous êtes bien en relation avec le standard de la police nationale. Merci de patienter un instant. Oh, Hélène ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je travaille, Simon. Comme tous les jours. Tu t'es faite enlever la semaine dernière. Prends tes jours de congé. Non, mais ça va, je vais bien. C'est juste que je préfère être ici plutôt que toute seule chez moi à flipper que William soit libéré. Je comprends. Tu ne veux toujours pas en parler ? En fait, c'était assez surréaliste. Tu me croirais pas. Et c'est toujours ? Pas aujourd'hui. On va plutôt travailler, d'accord ? Comme tu veux. On commence par quoi ? Je retrouve pas le planning. T'en fais pas, je suis en train de le refaire. Tu vois le bouquin sur mon bureau ? Il passe en top priorité. Quoi ? Mais c'est le bouquin de Baer ? Oui, et je lui ai fait un de nos contrats types. Tu sais, ceux qui nous donnent tous les droits sur l'œuvre en question. Ce crétin l'a pas lu avant de signer. On pourra peut-être même retirer son nom. Mais il est pas sauvable ce bouquin, tu l'as dit toi-même. T'en fais pas, le scénario a été changé. Et dedans, il y a une héroïne qui a plein de potentiel. J'aimerais lui laisser une chance. Sa princesse Kial, c'est ça ? Non, Sifi, l'elfe. Je lui dois bien ça. Hélène, tu es sûre que tout va bien ? Certaine. Écoute, laisse-moi juste en finir avec cette histoire-là et on reprendra tout comme avant. D'accord ? J'en ai besoin. D'accord, d'accord. Un café peut-être ? Plus que jamais. De sucre, supplément miel, avec un biscuit ? T'es un ange. Je sais. Je tiendrai ma promesse. Toi aussi t'auras ta happy end, Sophie.